Sainte Rita. Malgré les conditions d'accueil encore limitées, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce moment de joie et d'action de grâce. Ensemble, nous voulons remercier le Seigneur, remercier Sainte Rita pour tous les dons reçus par son intercession durant l'année. Je vous cite le témoignage de Béatrice. On reçoit beaucoup de témoignages. Je vous cite celui-là entre tous. Touchée deux fois par le COVID-19, mon papa, qui a de nombreuses pathologies accumulées depuis 30 ans, est resté un mois et demi en réanimation. Son état de santé grave et très inquiétant semblait être sans espoir pour les soignants et pour nous-mêmes. Mais grâce à l'intercession de Sainte Rita auprès du Seigneur, son état s'est bien amélioré, au plus grand étonnement du corps médical d'ailleurs. Sainte Rita, nous te remercions du fond du cœur pour avoir écouté et exaucé notre demande. Beaucoup d'entre nous peuvent témoigner de la présence de Dieu et de l'intercession de Sainte Rita dans des situations de difficultés personnelles, familiales ou professionnelles, situations qui pouvaient même paraître désespérées. Le Seigneur a été là. L'intercession de Sainte Rita s'est fait sentir. Nous voulons aujourd'hui célébrer sa fête dans la joie et la gratitude. Un bienvenu particulier à nos élus, à M. Christian Estrosi, maire de la ville de Nice et président de la métropole, et ainsi que son épouse Laura, à M. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la ville de Nice. Bienvenue à tous, nous apprécions sincèrement votre présence parmi nous. Elle est le signe que le mot laïcité ne signifie pas exclusion ou indifférence du monde politique face au monde religieux, mais plutôt respect réciproque, dialogue et collaboration dans la recherche de ce qui peut rendre notre monde plus juste, plus solidaire, meilleur. Bienvenue également à tous ceux et celles qui nous rejoignent via notre page Facebook et notre site Internet. On commence à être habitués au distanciel. Merci d'être là en présentiel. Voilà, mais que ce soit un moyen de communion spirituelle. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fête, une bonne célébration. Au début de cette célébration, recueillons-nous pour nous mettre en présence du Seigneur, pour lui demander de nous pardonner, de nous purifier par le don de son esprit, de préparer nos cœurs à écouter sa parole et à vivre ce moment
de prière et de communion. Mais ton peuple assemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mais ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, force d'âme dont tu as bien voulu gratifier Sainte Rita, afin que, supportant les souffrances avec le Christ, nous puissions participer plus étroitement à son mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et de cet esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole du bien-aimé, que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi. Garde mon âme dans la paix près de toi, mon Dieu. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je n'ai poursuivi ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, mon Dieu. Non, mais
je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est à moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, mon Dieu. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir la confusion des sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia, alléluia, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. » Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Sainte Rita n'a jamais rien écrit. Nous n'avons d'elle que quelques paroles qui nous ont été rapportées par des témoins. Une de ces paroles a été transcrite comme épitaphe de son tombeau, sur son tombeau. Il y est écrit « Moi, je n'ai jamais fait de calcul humain avec Dieu. Je n'ai pas pensé aux avantages terrestres ni à la récompense céleste. J'ai simplement aimé. » Cette brève phrase contient toute une morale de vie, ou plutôt une spiritualité. Je n'ai jamais rien fait par calcul humain avec Dieu, j'ai simplement aimé. Une morale de vie qui est
le contraire, pourrait-on dire, d'une morale légaliste, qui était la morale des pharisiens. Ils se croyaient justes devant Dieu du moment qu'ils avaient observé la loi, les règles, les préceptes. Jésus vient renverser cette manière de voir et cette manière de vivre. Et il la remplace par une loi nouvelle, qui n'est pas un ensemble d'observances et qui se résume en un seul mot, aime. Saint Augustin dira, aime et fais ce que tu veux. Mais aime vraiment. Aime avec l'amour qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit Saint, l'Esprit que Jésus avait promis à ses disciples, « Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira vers la vérité tout entière. » Et Jésus a tenu sa promesse. Il a envoyé, après sa mort, sa résurrection, il a envoyé l'Esprit Saint. Nous célébrons demain la Pentecôte, fête de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, pas seulement sur eux, mais en eux. En eux. C'est lui désormais, l'Esprit Saint, la loi nouvelle. La loi nouvelle du chrétien, non plus une loi extérieure à observer, mais une lumière intérieure. Une force, un élan de Dieu, un élan divin qui habite le cœur de l'homme, de chaque chrétien. De sorte que saint Paul résumera la vie du chrétien en disant « Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. » Et ça, être chrétien, se laisser conduire par l'Esprit Saint, et c'est ce que sainte Rita a fait. « J'ai simplement aimé. » Elle a aimé son mari et ses enfants, d'un amour humain, bien sûr, mais aussi avec la force de l'Esprit Saint qui lui a fait surmonter tant d'épreuves, et en particulier cette terrible épreuve de l'assassinat de son mari, et peu après de la perte de ses deux enfants. Sainte Rita a pleuré, mais elle ne s'est pas effondrée. Elle est restée debout, forte, forte dans la foi et dans l'amour, allant même jusqu'à pardonner à ceux qui avaient tué son mari. Sainte Rita a aimé, avec la force de l'Esprit Saint, les habitants de la ville de Cascia. Lorsque la supérieure du monastère des Augustiniennes demande à Rita comme condition pour pouvoir entrer au monastère comme elle le désirait, elle lui demande de réconcilier les clans en guerre de la ville. Une chose humainement impossible. Rita ne se décourage pas. Elle sait que l'amour sera plus fort que la discorde, que les guerres, que les haines. Elle se laisse guider par l'esprit, elle se met en marche, visite les familles, prie, exhorte les uns et les autres, et elle finit par obtenir la pacification, une paix même qui sera signée devant notaire officiellement quelque temps plus tard. C'est encore l'Esprit du Christ qui pousse Rita à vivre sa vie religieuse avec une intensité héroïque. Ses journées sont entièrement consacrées à la prière, à la contemplation du Christ et en particulier du Christ dans sa passion. Le stigmate qu'elle porte sur le front pendant 15 ans, elle le portera et qui la faisait terriblement souffrir, est pour elle une occasion d'aimer davantage, de tout offrir pour celui qu'elle aime, le Christ, et pour tous ceux aussi qui viennent se confier à elle. Déjà de son vivant, elle avait cette réputation, les gens viennent se confier à elle.
On pourrait continuer les exemples. Sainte Rita, en toute occasion, s'est laissée conduire par l'Esprit Saint en aimant. J'ai simplement aimé. Notre vie chrétienne a besoin de se renouveler et elle ne peut se renouveler qu'à la source de l'Esprit Saint. La semaine dernière, un père de famille est venu me voir et me disait que sa fille, qui était sur le point d'entrer à l'université, en avait perdu totalement l'envie. Elle était désorientée, elle ne voyait pas de futur, elle n'avait plus confiance en la vie. Et elle ajoutait, « Je ne suis pas seule à penser comme ça. » Et lui me disait, « Tom, nous chrétiens, croyants, pratiquants, qu'est-ce que nous avons à offrir aux jeunes ?» Nous avons quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un d'extraordinaire qui est le Christ et son Évangile. Non pas le Christ des livres, mais le Christ vivant aujourd'hui, vivant dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Le Christ qui nous conduit par l'Esprit Saint, qui conduit chacun d'entre nous, chacun des chrétiens, selon sa personnalité, ses qualités, même ses défauts, son histoire, qui a conduit Sainte Rita dans sa vie d'épouse, de mère, de religieuse, qui a conduit Saint François d'Assise dans son amour de la nature, les patrons de l'écologie, et dans son désir de fraternité universelle, qui a conduit Saint Thomas d'Aquin dans sa recherche intellectuelle de la vérité, qui a conduit Saint Thomas More, chancelier d'Angleterre, dans son engagement politique, qui a conduit Sainte Thérèse de Calcutta dans sa proximité aux plus pauvres d'entre les pauvres. Tous ces saints et tous les autres n'ont pas calculé. Ils ont aimé. L'Esprit nous est donné à nous aussi, avec abondance. Il habite en nos cœurs. Il habite en nos cœurs. Il nous parle. Si nous savons écouter sa voix, prendre du temps de silence, de recueillement pour écouter sa voix, pour sortir, il nous aidera à sortir de nos petits intérêts, de nos petits calculs pour aimer, aimer simplement, aimer sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est lui qui peut renouveler notre vie chrétienne, elle en a besoin, la vie de l'Église a besoin d'être renouvelée, la vie du monde a besoin d'être renouvelée, et nous sommes, on nous demande d'être ses témoins, d'aider, de participer à ce renouvellement, de redonner espérance. Les jeunes, et pas seulement les jeunes, ont besoin de rencontrer des hommes, des femmes qui vivent dans la bienveillance, qui vivent dans l'honnêteté, dans le respect de l'autre, qui s'engagent pour la paix, qui se risquent pour la paix, les hommes et les femmes qui ont confiance, confiance en Dieu, un Dieu qui aime et qui pardonne nos faiblesses, nos fautes, un Dieu qui veut nous conduire tous à la vie éternelle. Soyons ces hommes, ces femmes guidés par l'Esprit Saint, prions Sainte Rita de nous aider à le devenir.
et sœurs, en cette fête de Sainte Rita, jetons en Dieu tous nos soucis, et comme elle, faisons monter vers lui notre supplication pour tous nos frères et sœurs, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre prière. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour le pape François, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint et qu'il leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve et qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui vivent loin de leur maison, pour ceux qui n'ont ni travail, ni logement, et pour tous ceux qui ont faim, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Pour ceux qui s'unissent à nous en cette fête de Sainte Rita, pour ceux qui nous ont demandé d'intercéder pour eux et pour nous-mêmes qui allons partager le repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise en compagnie de Sainte Rita aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, salut. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Sainte Rita de Cascia. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autres richesses que toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Élevons notre cœur. Nous l'étendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Sauveur. Dans ta grande bonté, tu nous as donné, en Sainte Rita, un magnifique exemple d'amour pour toi, Seigneur, et par toi, à toute l'humanité. L'amour était la force de sa vie, et par cette force, elle fut toujours guidée tout au long de son existence, méditant sans cesse la passion de ton Fils. Devenu exemple de sacrifice et de charité, elle expérimenta pleinement la sublime exigence de l'amour qui, par la voie de la croix, conduit les hommes vers la vraie joie et vers la lumière de la résurrection. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Rita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Rita est une sainte de la paix. Portons de façon particulière dans notre prière la paix au Moyen-Orient, la paix en Israël, de façon toute particulière, que le Seigneur suscite des hommes de justice et de paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, échangeons une salutation de paix.
tomber sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. Célébrons à retour de l'amour de notre Dieu. Menez à moi vous tous qui trébuchez dans les ténèbres. Sur vous s'élèvera ensemble. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu le fis pour Sainte Rita de Cascia. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction, je voudrais remercier tous ceux qui ont participer à la préparation de cette fête. Il y a 1000 détails dont il faut s'occuper. Donc, tout le personnel de Sainte Rita, les bénévoles qui se sont engagés pour que tout soit bien prêt aujourd'hui. Donc, un grand merci à tous. Un merci aussi à Jean-Cyril et Romuald qui ont animé notre, par leur musique, leur belle musique, qui ont animé notre célébration. On peut les remercier. Avec un merci tout particulier à Georges et Julien qui nous ont préparé ce bel hôtel comme celui qui est derrière. Voilà, c'est une œuvre de collaboration. Merci à tous. J'espère ne l'oublier personne, j'ai perdu mon papier. Quelques petites annonces. Ceux qui, vous êtes évidemment bienvenus tous et toutes à notre église, dans notre église, tout au long de l'année, pour venir participer aux célébrations, pour prier ensemble ou prier personnellement. Il y a toujours un prêtre aussi, comme vous savez, qui est disponible ici pour vous accueillir pour les confessions, les entretiens. Et Sainte Rita peut aussi se joindre à vous chez vous par notre revue d'abord, la revue Sainte Rita, dont s'occupe le père Alain Vaillancourt, qui est le responsable, et qui porte de très beaux témoignages, des enseignements et des beaux témoignages. C'est comme un lien entre tous les fidèles de Sainte Rita sur toute la France. On a 15 000 abonnés sur toute la France, donc ça fait quand même plusieurs personnes qui sont reliées. Aussi par notre site Internet et par le site, notre page Facebook, donc vous pouvez aussi vous joindre à nous, vous connaissez les activités de la maison, de l'Église, et aussi vous pouvez inscrire des prières, envoyer des prières de remerciement ou de demande, voilà. Donc ça, ceux qui voudraient s'abonner à la revue ou faire dire des messes aussi, c'est un soutien important pour notre congrégation, les Oblats de la Vierge Marie, les messes qu'on reçoit, qu'on envoie aussi dans nos missions, au Brésil, au Nigeria, dans différents pays, donc c'est un soutien important pour notre congrégation. Petite annonce particulière, c'est qu'au mois de juin, le 29 juin plus particulièrement, 20h15 le soir, il y aura la diffusion sur Internet d'un très beau film sur Sainte Rita. Un film qui a été produit en Italie d'une grande qualité, je l'ai vu, il est d'une grande qualité,
qui a été traduit dernièrement en français et qui sera diffusé sur Internet. Et donc vous pouvez, ceux qui voudraient vous pouvez rejoindre la connexion à travers notre propre site qui vous conduira au site qui le diffuse. Voilà, je vous remercie de votre présence à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue par l'intercession de Sainte Rita de vous accompagner. Il y a plein de moments difficiles dans notre vie, mais le Seigneur est là, toujours là, et l'intercession des saints, la Vierge Marie Sainte Rita, elle est toujours là. Nous allons maintenant bénir les roses. Voilà, levez-les bien, que ça fasse un beau... Voilà, très bien. Au moment de demander au Seigneur de bénir ces roses, rappelons-nous que la rose cueillie en plein hiver, à la demande de Rita, alors qu'elle était très affaiblie par la maladie, a été pour elle le signe de l'amour prévenant du Père envers celle qui allait bientôt entrer dans la gloire du ciel. Puissions-nous, dans toute notre vie, imiter les vertus de Sainte Rita et porter du fruit à l'exemple de celle que l'on appelle justement la rose de Cachia. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses d'embellir ton Église par la vertu des saints. Exauce la prière de tes serviteurs qui te présentent aujourd'hui ces roses, signe de ta bonté et de ta sollicitude pour ceux qui souffrent. Qu'ils aient à cœur de garder tes commandements et soutenus par la prière de Sainte Rita, qu'ils obtiennent tout ce qui peut les aider à avancer avec confiance vers la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour la sortie, je vous demanderai de passer par la porte droite, en arrière, ou ceux qui veulent aller à la sacristie, au comptoir de la sacristie, vous pouvez sortir par là et ensuite sortir par l'oratoire. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. La gloire.